Salut à toutes et à tous, c'est Rivelez, bienvenue pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot 4. Et apparemment, c'est le moment de coller nos roustes à Cortex, une nouvelle fois. Bah tiens, on va plutôt prendre le Bandicoot originel. Coucou Cortex, on arrive! Crash Bandicoot, il était temps que tu arrives. Ça va être comme au bon vieux temps. Sauf que cette fois, tout va se passer selon mes plans. J'ai apporté quelques améliorations à mon ballon. Ok, on a donc le pouvoir du ralentissement du temps. Une pluie de missiles de la mort, géant. Oh là là. Le Punchbot Mark 2 a une note 1 point supérieure au Punchbot Mark 1. Oh oh, le Punchbot Mark 2 doit te taper toi, pas moi. Oh, on va essayer ça. Ah merde! La roulade a foiré. Le missile anti-marsupiaux, c'est mon invention. Merde. C'est quoi ce boulette L? Tu ne joues pas selon les règles, moi non plus. Oups, c'est moi qui fais ça. Tu le bandicoot, écrase le bandicoot, écrabouille-lui la tête. Je me demande ce qui va se passer si j'appuie sur tous les boutons. Subis le courroux de Cortex. Ah, fallait que je m'accroupisse, merde. J'ai cru que ça passait au-dessus sans problème. Wow. Ça va, le jeu est quand même sympa de pas me faire recommencer tout le combat de boss en entier. Merde! Ah, il faut faire gaffe aux missiles, il faut faire gaffe à un peu tout là. Ah, je me suis dit que j'allais réussir à esquiver sans le pouvoir de ralentissement.
dois vraiment continuer comme ça encore et encore. Des mois, Crash. On va vraiment faire ça pour toujours. Je savais que tu ne pourrais pas gérer la plus simple des tâches. Avane-toi tant que tu veux, j'abandonne. Si tu me cherches, je serai sur une île tropicale quelque part, seul. C'est parfait, car vois-tu, je n'ai plus besoin de notre alliance. J'ai trouvé un nouvel associé et un nouveau plan. Je préparais tout ça dans mon dos. Évidemment, le générateur de failles a des capacités que ton esprit ne peut appréhender. Tu te contenterais de régner sur le temps et l'espace. Moi, je vais recommencer à zéro. Tout effacer complètement. Je vais réinitialiser la ligne temporelle et la reconstruire à ma convenance. Je vais devenir un dieu. Et ça veut dire que toi, tu n'existeras pas. Pas plus que ces masques stupides ou ces insupportables marsupiaux. Ayez de l'univers par ce pont, pompeux! J'aimerais bien voir comment il fera quand je lui aurai planté ce diapason dans le... Sauf si on l'attrape en premier. Il semblerait que nous ayons un ennemi en commun. Peut-être y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle éternel, après tout. Mais je... Ok. Oh purée, Crash. Qu'est-ce que tu peux être simplé, du direct, quoi. Alors t'as pété la gueule. Ah mais c'est vrai que Cortex est le méchant, mais qui est pas forcément méchant au fond. Quand on voit, là... Ah. Dimension Oedipienne, ah, un petit jeu de mots là. 88 millions d'années avant Crash Bandicoot. bah on va voir ce que donne cette nouvelle dimension. Ouais bah Trompi vraiment méchant hein. Et très 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 méchant. Ok. Lui avec tous ses pics, est-ce que je peux le taper? À mon avis, avec tous ses pics, je peux pas. Je peux pas le tournoyer dessus directement. Oh, il y en avait une ici. Oh, tant pis. Je suis en train de réfléchir, je me dis non, j'ai pas envie. Canin. Au pire, s'il m'en manque qu'une, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Merde. D'accord. Thank you.
tout simplement. Ah, ouh là 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 là. Je pensais que j'allais pouvoir sauter assez haut. Je me dis non. Non, rien là-haut. Voilà. J'ai bien vu ce qui se passait après, là. Oh, putain. Oh, putain! Mais non! Oh, putain! Bon, j'ai perdu mon masque, alors on va réessayer. Superbe! Allez, on recommence. Ah merde. J'aurais dû taper ça d'abord. Bon, maintenant que j'ai compris le truc, je vais réessayer. Donc ça voudrait dire... La marge de manœuvre, elle est pas très épaisse. Attends une minute là. J'aurais dû faire une caisse sur deux en fait. Ah ouais, j'aurais dû faire une caisse sur deux, je dirais. Pas facile celui-là. Hein. Je vais essayer une dernière fois. Bon, déjà ce qui est sûr. Comme ça. Et là, ça voudrait dire que qu'il faut que je fasse une caisse sur deux. Mais pourquoi t'as pas double sauté, ma parole? Surtout que le double saut, il est ultra permissif. J'ai du mal à plier. C'est pas ma faute, c'est la manette. Ah non, mais la marge de manœuvre. Je crois que je vais juste le terminer comme je peux, puis tant pis. Le rebond m'emmerde en fait.
J'ai essayé comme j'ai fait au premier. La première fois où ça marchait bien, mais je vais faire une caisse sur deux. Ah, mais je dois forcément revenir aussi. Je crois que l'idée est bonne, hein, en soi. L'idée est bonne. Je réessaye une dernière fois, vraiment une dernière. Si ça va pas, tant pis. C'est un crash qui fait creuser les méninges. Et du coup, là, il faut pas que je pète toutes les caisses, je pense. Hop, 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 hop. Oh putain, oh, j'en ai marre. Je dis que c'était la dernière fois, je passe à la suite. Quoi? Attends. Ah merde, c'est des plateformes qui tombent! On va attendre que ça remonte, hein. Sinon, au pire des cas, si j'avais explosé la nitro avant, j'aurais pu la péter ensuite. Oula. Oula, je n'ai plus le pouvoir, je ne l'ai plus. Elle le sent pas. D'accord. Ouais, il aurait fallu... C'est ce que je pensais, mais bon. Ah, désolé, mais j'aime vraiment pas la perspective. Oh, elle est là, je vais me cacher.
Oh, si vous voulez tout savoir, j'ai arrêté l'idée d'essayer de mourir moins de 3 fois, du moins à première run. Ah putain, ça reste pas longtemps. Hein. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu choper la caisse, vu que j'ai déjà chopé la gemme. Hein ? Ah, j'ai vraiment des soucis de perspective, hein, putain. Mais c'est moi, hein. Je sais pas si c'est que moi. Mais des fois, je me dis, il faut que je saute maintenant, c'est trop tôt, et des fois... Ah, merde, c'était trop tard. Non ! Heureusement que le jeu est quand même assez généreux en vie. De toute façon, je suis proche du max de vie possible, donc... Il est mignon le jeu de me donner un masque, mais c'est pas un masque qui va me sauver ou m'aider là, hein. J'ai un peu rage-kit sur le niveau bonus, mais... Je suis malheureusement devenu un joueur nettement moins patient qu'avant. Puis bon, je vais pas passer 2 heures sur une vidéo pour faire une vidéo de 20 minutes. J'aime bien réussir du premier coup, mais ce jeu, clairement, c'est compliqué de réussir dès le premier coup. Donc c'est pour ça que je vais filer en ligne droite jusqu'au boss de fin. Et après, ça se passera en live. Je ferai des lives après pour choper les dernières gemmes, etc. Bon, du coup, niveau cassette flashback, bah, j'en ai pas tellement obtenu des masses, vu que les cassettes flashback se trouvent des fois vers le milieu ou la fin de certains niveaux, et que je crève au moins une fois avant. Donc la prochaine fois, a priori, on va jouer avec Cortex, si j'ai bien compris. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.